La drague en québécois, de A à Z. La gaffe qui fait. T'es vraiment beau. Tu sais que j'ai vraiment envie de passer la soirée avec toi. Ouais, mais malheureusement, j'ai trop de boulot, je dois aller danser. Batman. J'ai un gros bat et je suis un man. Appelle-moi Batman. La crosseuse. Ça te dit qu'on prenne un dernier verre et qu'on s'en aille? À la tienne. Ciao, hein. Le déchargeur. Quand je te vois, je me sens juste proche de la nature, là. Quoi? Parce que j'ai de la sève qui coule du gland. L'épaisse. On m'a dit de toujours suivre mes rêves, alors je te suis. Le fourreur. Ton décolleté, c'est vraiment comme une boîte de céréales. Pourquoi? Ben, quand on regarde, on a juste envie de fourrer la main dedans. La gelée. Hey, toi, fais attention à ton verre. Pareil qu'il y a des gars qui mettent de la drogue dans les verres qui traînent. Ben, si tu croises un gars qui veut mettre de la drogue, dis-y, mon verre, il est juste là. L'habitant. Ton père, il est pas fermier? Non, pourquoi? Ben, parce que t'es une belle cochonne. L'immigré. Ah, mais moi, ce que je préfère dans la vie, c'est les gosses à mon frère, quoi. Hein? Quoi? Pardon? Ah non, mais tiens, regarde comme elles sont trop belles, hein. La joufflue. Hey, t'aimes bien les filles joufflues? Parce qu'on m'appelle la Kim Kardashian du Québec. Le kicker. J'ai un kick sur toi et direct en croisant ton regard. Et je vais m'évanouir, ça c'est pas des bobards. Alors fais-moi du bouche à bouche pour me réanimer. Ma belle petite bouche, vas-y, donne-moi un vrai bec mouillé. La lettre. Du bouche à bouche. Le mardeur. Hey, salut toi, moi c'est Jacob, je suis célibataire, mon signe particulier, je gagne 200 000 piastres par année. Tu viens avec moi? Rejoins-moi dans les toilettes. La niaiseuse. Ouais, mais t'es peut-être pas le gars le plus cute ici, mais c'est pas grave, j'éteindrai la lumière. L'ostinée. Un premier élément intéressant réside dans le fait que les gens ont une tendance à être intuitivement objectivistes lorsqu'il s'agit d'évaluer esthétiquement, spontanément quelque chose. C'est tellement beau ce que tu dis. Les gens s'exclament « c'est beau » devant quelque chose qu'ils considèrent comme étant beau. Et non, j'ai l'impression que ceci est beau. Tu viens chez moi? Il y a donc une forme de tendance intuitive à l'être humain à penser sa perception esthétique comme étant objective. Ce qui est curieux vu que la plupart des gens acceptent la thèse de la beauté comme étant subjective. La flotte à bike. Hey, t'as une moto? Hey, t'as une moto? T'as une moto? Je te vois depuis tantôt, puis plus je te regarde, plus je me dis que tu dois en avoir une grosse. Le cul. Bah, et dans le fond, là, je voulais t'aborder, mais je savais pas trop comment. La robineuse. Hey, tu sais que ton corps, il est composé de 60% d'eau. Mais dommage que ce soit pas de la bière, parce que sinon, je t'aurais bien bu. Le sexe. La tasseuse. Ouais, t'es vachement drôle. Ouais, ça c'est ta blonde. Oh, mais c'est pas grave, une meuf ça se tasse. L'usager. Ouais, par contre j'ai utilisé la dernière un matin, ça dérange-tu si on réutilise la même? La petite vie. On joue-tu à un jeu? Si tu ris, tu payes. Est-ce que tu t'appelles Google? Parce que t'as absolument tout ce que je recherche. T'as perdu. Le wack. Hey, c'est fou comme tu ressembles à mon ex, toi. On ferait un bon match. La xénophile. Hey, pour vrai, le moi, j'adore les étrangers. J'adore ceux qui ont un accent. Le bon yob. Salut, je veux bien devenir ton ami, t'as l'air nice. La zioteuse. Non, pour vrai, là, j'ai checké tous les gars dans la place, là, pis t'es le moins pire. Souviens-tu? Et voilà les amours, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner et je vous lance un défi. Dites-moi dans les commentaires les pires phrases de drague que vous connaissez. Je vous aime.